Cosmo femme, Cosmo devant. Femme la lumière, femme y donne la vie. À l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, Salut TV y donne à zot la parole. À coup zot Cosmo. Femme qui sort de la ravine des Capri, que ben, c'est une maman avant tout, une femme qui ben, travaille comme tout le monde, que ben, dans la vie elle se bat pour arriver là, surtout dans la musique parce qu'elle est compliquée, et que ben, aujourd'hui m'y porte ma voix pour ça. Alors pour moi, oui et non. Oui, parce qu'il commence à avoir de plus en plus de femmes dans les domaines haut placés, on va dire. Mais malheureusement, ben, les femmes n'est pas si reconnues que ça, et que dans certains domaines, ben, les femmes n'est pas vraiment acceptées, quoi. S'il est accepté, elle est de justesse. Alors, mon regard sur le féminisme à Réunion, c'est que ben, Il manque encore. Les vrais, il est déjà bien parce qu'il commence à voir ben, des femmes dans la politique, des femmes directrices, des femmes voilà, dans les hauts postes. Mais il est encore ancré dans l'ancien temps et qu'il manque encore. Alors une journée, les bien une journée déjà. Les, parce qu'il ne faut pas crier non plus, parce que comme il dit, c'est déjà une journée. Mais il est vrai que le combat, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on entend qu'on a des femmes battues, qu'on a des femmes dans la difficulté. Donc une seule journée n'est pas suffisante pour montrer que la femme est présente dans la société, dans la vie de tous les jours. Oui. Les biens qui met en place tout ça. Mais il est vrai que mettre en place plus de prévention, les conseils, les génial. Hein. Mais ce serait bien, à côté de ça, avoir des préventions, aider les personnes qu'ils ne veulent pas ouvrir leur bouche parce qu'ils ont la peur. Mettre tous les personnes qui restent dans le déni aussi. Parce que beaucoup de personnes, pour eux, c'est notre faute. Surtout les femmes, nous pensons souvent que c'est notre faute s'il arrive telle ou telle chose. Donc, ce serait bien de faire des trucs plus avancés, on va dire. Après, les conseils, les géniales, parce qu'ils permettent aussi à ces femmes-là de sortir. Des ateliers comme la coiffure, l'esthétique, ils permettent aussi à ces femmes-là d'une journée de sortir de notre quotidien. Donc ça, franchement, elle est géniale, mais il faudrait un peu plus. Alors, mon souhait pour, par rapport à l'Hexagone, ce serait plus d'égalité. Parce que, il est vrai qu'ici, à La Réunion, tout est cher. Il faut dire les choses comme il est, tout est cher. Donc là, après au niveau alimentaire aussi, il y a beaucoup de choses qui ont augmenté. Il y a beaucoup de familles qui n'arrivent plus non plus en sorte à zote. En métropole, les prix, les 2-3 fois moins chers. Il est vrai qu'au niveau logement, les plus chers, oui. Il est vrai qu'on a des choses qui font que de chaque côté, voilà, mais ce serait bien que, comme nous fait partie du département français, donc que tout le monde soit au même stade. Plutôt une qualité combative. C'est-à-dire qu'il ne me laisse pas moi abattre. Et que ben, malgré qu'il mette des obstacles sur mon chemin, on va toujours tout faire pour avancer dans tous les domaines, que ce soit la musique, la santé, la vie de tous les jours, le travail. Donc on va toujours tout faire et pas abandonner. Oui, il est fier et il me représente à moi bien même.